L'Europe qui naît en 1815 au Congrès de Vienne est une Europe de la Restauration. Alors on ne restaure pas absolument tout, il y a quelques simplifications des frontières de l'ancien Saint-Empire qui sont conservées, mais en revanche les architectes de cette nouvelle Europe, et en particulier Metternich, le chancelier autrichien, souhaitent revenir sur toutes les nouveautés de la Révolution française. Et dans ces termes, nouveautés évidemment, ce n'est absolument pas positif. Et parmi ces nouveautés, donc jugées fallacieuses par Metternich, figure l'émancipation des Juifs. Et dans les territoires sous domination autrichienne, dans les territoires allemands où elle avait été appliquée, ou en Italie sous domination donc des Habsbourg, eh bien cette émancipation des Juifs, elle est tout simplement jetée au rebut. Dans certaines régions, comme dans le Piémont, cette restauration a été extrêmement dure vis-à-vis des Juifs. Justement pour marquer cette volonté de d'effacer, c'est un classique dans l'histoire, hein, la parenthèse malheureuse de la France au regard donc des régimes restaurés. Par exemple, dans le comté de Nice, qui était donc piémontais, les Français étaient arrivés en 1792, les Juifs avaient obtenu la pleine égalité, et ils sont sortis du ghetto. Et en 1815, des ordonnances sont prises qui remettent en vigueur des édits qui datent du XVe siècle, des édits de claustration, on appelle ça, c'est-à-dire les Juifs doivent retourner dans le ghetto. Mais pour des gens qui avaient pendant une quinzaine d'années vécu et goûté la liberté, c'était quelque chose d'inadmissible. La manière dont on va concevoir la place des Juifs dans la société européenne est une façon tout simplement de comprendre les mutations essentielles que connaît la société européenne au lendemain de la fin du XVIIIe siècle. Face à cette Europe de Vienne se trouve une autre Europe, une Europe des patriotes, c'est donc une Europe libérale. Les patriotes défendent à la fois les grandes libertés fondamentales, mais également le principe même restreint de souveraineté nationale et populaire. Et l'on retrouve donc ces patriotes, principalement en Italie, dans une Italie donc désormais à nouveau désunie et dominée par l'Autriche, donc ce sont les Carbonieri. On les retrouve également en Allemagne, hein, ils sont particulièrement déçus de cette Europe de Vienne. Ils s'étaient soulevés contre l'ogre napoléonien, mais ils espéraient non seulement l'unité allemande, mais la souveraineté populaire, et ils n'ont obtenu ni l'une ni l'autre. Et donc ils se regroupent, en particulier autour des universités, et essayent donc de défendre ce projet contraire à l'Europe de Vienne. Donc c'est nécessairement une Europe clandestine, hein, puisque les libertés ne sont pas assurées. Et ça débouche sur quelques coups de force, principalement en Italie, qui sont tous autant d'échecs. Il faut quand même revenir à la Révolution française, parce que ça a été le modèle des révolutions qui lui ont succédé. Même si ça a été un modèle qui s'est décliné à chaque fois de manière différente. Mais c'est quand même l'archétype de l'irruption de la modernité parmi les populations qui sont devenues plus tard européennes, qui ne l'étaient pas forcément au moment de la Révolution elle-même. Mais l'Europe s'est formée après, à partir d'une idée qui s'est peut-être construite et développée, répandue à partir de l'idée révolutionnaire. Cette proximité qu'a du modèle français, puisque les Français l'ont exporté eux-mêmes par les armes, on va dire, généralement très bien accueilli par les Juifs d'ailleurs, eh bien c'est resté comme un idéal, un Graal pour les élites juives qui étaient sensibles à cette idée de modernisation, de progrès, etc. Et puis il y a 1830 avec la Révolution en France qui se propage dans toute l'Europe et qui laisse espérer que la liberté guidant les peuples européens permettra d'aboutir à une égalité des droits partout. Mais à l'exception notable de la Belgique, c'est en Italie, en Allemagne et surtout à Varsovie, un sanglant échec. Au sens politique et juridique du terme pour les communautés juives de Belgique, l'égalité était formellement acquise depuis la période révolutionnaire. Les Juifs de Belgique ont connu le régime français qui les a émancipés, connu le régime impérial qui à la fois a perpétué l'émancipation révolutionnaire, mais quand même revenu sur un certain nombre d'acquis de la Révolution. Ces principes ont été garantis également sous le régime hollandais qui a suivi la défaite napoléonienne, puisque la Belgique a été hollandaise
entre 1815 et 1830. Et puis il y a la Révolution belge en 1830 et l'adoption d'une constitution extraordinairement libérale. Or, ces patriotes sont bien souvent favorables au principe de l'émancipation des Juifs. Donc il n'est pas étonnant de retrouver parmi ces patriotes des Juifs européens, particulièrement allemands. Heinrich Heine, par exemple, était proche de Mazzini au moment où celui-ci fonde son mouvement Jeune Europe en 1834. Et donc, parmi ces Juifs, on trouve un certain nombre de personnes qui pensent que seule la Révolution permettra d'aboutir à un régime d'égalité des droits et une émancipation des Juifs. D'autant qu'à la même époque, hein, quand on regarde ce qui se passe dans un régime pourtant déjà en grande partie libéral comme le Royaume-Uni, eh bien, l'émancipation des Juifs tarde à venir, elle rencontre de nombreuses difficultés. Les débats commencent en 1830 quand on essaye de faire passer une loi pour émanciper cette communauté juive. Et contrairement aux catholiques, contrairement aux non-conformistes, ça va bloquer et ça va mettre beaucoup de temps. Ça va mettre de 1830 donc à 1858 pour qu'il y ait cette égalité complète des droits.